Mon nom est Patrice Goudreau. Je suis technicien en évaluation de stock de mollusques à l'Institut Maurice Lamontagne de pêche et océan Canada. Mon rôle est de supporter les équipes d'évaluation de stock et de recherche dans le but d'acquérir de l'information pour connaître l'état des populations de mollusques exploitées commercialement dans le golfe du Saint-Laurent, principalement le pétanque et la mac de Stimson. Donc, on va pêcher comme un pêcheur commercial. On va accumuler des données, on va mesurer, on va ramasser des échantillons pour traiter puis connaître l'état des populations de notre source. Suite au terrain, on vient au laboratoire, on va avoir traité les échantillons qu'on a accumulés durant notre mission de recherche et particulièrement à réaliser des lectures d'âge sur les coquilles des mollusques qu'on a ramassées. L'information qu'on retire de la lecture d'âge nous donne une structure de la population sur le fond. Ça nous permet de voir si on a un recrutement régulier. Ensuite de ça, on va être capable de voir dans les tailles commerciales le pourcentage de pétanque qui arrive à la taille commerciale et qui vont pouvoir être exploités par nos pêcheurs dans les communautés. Le travail que je fais va permettre aux biologistes avec lesquels je travaille d'aller rencontrer ces pêcheurs-là avec la gestion des pêches et leur permettre d'établir des plans de gestion qui vont respecter la ressource, mais qui vont leur permettre de gagner leur vie puis de faire travailler les gens dans leur petite communauté.